J'ai pas de difficulté à me concentrer, au contraire, c'est plus facile pour moi de me concentrer quand je suis dans un lieu public en fait. Ouais. Bah, c'est-à-dire chez moi, j'arrive à écrire uniquement les. Quand je pense à des choses, alors je peux aller rectifier dans le scénario une erreur. Tu sais, souvent j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. C'est assez intéressant d'ailleurs. Tu fais tes corrections chez toi. Je fais mes corrections chez moi, mais j'écris pas. En fait, je fais mes corrections chez moi, j'écris mon scénario sur mon vélo, en réfléchissant, et en fait, je l'écris concrètement dans le café. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une activité physique quand on écrit, parce que ça, c'est bête, mais ça alimente le cerveau au niveau de la circulation du sang. Enfin, je sais pas, il y a toute une chose avec ça, ce qui fait que... C'est vrai que quand je me déplace, quand je fais du vélo, quand je marche dans la rue, mon cerveau est très, très actif à ce niveau-là. Le dialogue aussi, tu es capable d'écrire le dialogue en complet ? Oui, ça me pose pas. De toute façon, l'environnement dans ces cas-là, je fais pas attention, c'est juste une rumeur pour moi. C'est pas. J'écoute pas ce qui se dit. Et puis, Parce qu'un dialogue, j'imagine, c'est comme acté dans notre tête, tu sais. On se retrouve à faire des simagrées, tu comprends ce que je veux dire? On voit les personnages, puis on les entend parler. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ça peut m'arriver, mais c'est assez intérieur quand même. Ah ouais, c'est assez intérieur, je ne l'exprime pas vraiment. Si de temps en temps ça peut arriver, à ce moment-là je vais à la toilette et puis je m'enferme pour le faire. Non, ça ne me pose pas trop de... Qu'est-ce qu'elle décrit là? Là, ici? Ouais. Ah, secret de fabrication. Ouais, ouais, peut-être. Ça va aborder la question de la manipulation entre deux adolescentes. Enfin, il y a une adolescente qui en manipule une autre sur fond de relations entre mère et fille très, très douloureux. Wow. Ça va être un film assez, assez intense. Un film auquel j'ai pensé il y a 5-6 ans et je ne me sentais pas encore capable de l'écrire. Bah, c'est-à-dire, j'étais capable de l'écrire techniquement, mais... je voulais être sûr d'avoir la meilleure approche possible et d'avoir la maturité nécessaire. Et entre-temps, j'ai fait un certain nombre de films qui m'ont permis d'être plus précis dans la façon d'expliquer les choses, de travailler des personnages. Et puis comme c'est une histoire comme assez douloureuse, comme ça concerne à la fois l'adolescence. D'un côté, il faut que je me place du côté d'une adolescente ou des adolescentes. Ouais, ouais, ouais. Et de l'autre, il faut que je me place du côté de la mère qui, finalement, à mon âge... Tu as 3 enfants ? Oui, j'ai 3 enfants. OK. Ouais. Des gars, des filles ? Les deux. OK. Des gars et puis une fille. Tu as 2 filles, ça m'intéresse. J'ai 2 gars et une fille. OK, ouais. D'accord. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on écrit, si j'avais écrit plus jeune, je me serais uniquement placé du point de vue de l'adolescente, ce qui n'est pas forcément ce que je recherche. Ouais. Donc là, maintenant, je pense à être arriver à un bon équilibre entre les deux âges. Et je pense qu'être capable d'avoir pas de l'objectivité, parce que c'est pas ce que je recherche justement quelque chose de très personnel, mais je veux essayer d'avoir un bon équilibre entre les deux âges, entre l'adolescence et la maturité d'un parent en fait. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ouais, en effet, je peux comprendre comment tu peux attendre certain nombre d'années comme ça, avant, oui. Puis en pensant au scénario, à voir ses enfants grandir. Ouais, c'est très important. D'abord, je pense qu'il y a des sujets qu'on est capable de traiter à 30 ans, d'autres à 35, d'autres à 40. Je crois même qu'il y a des sujets où il faut même attendre un âge avancé. Mais il y a aussi des sujets qu'on traite à 25 ans. Moi, je vois, il y a des sujets que je traitais dans mes courts-métrages. Uh-huh. Quand j'avais... dans la vingtaine, c'est des sujets que j'aborderai plus du tout aujourd'hui. Et heureusement que j'ai pu faire des films dans la vingtaine, parce que sinon, c'est des films que j'aurais jamais fait. Uh-huh. Et en fait, une des choses que j'apprécie le plus par rapport à Xavier Dolan, au-delà de ses films, de la qualité de ses films, on peut en discuter, mais c'est si rare aujourd'hui de pouvoir faire des vrais films de cinéma dans la vingtaine, parce qu'il y a des choses qu'on a à dire dans la vingtaine qu'on ne dit plus après. Uh-huh. Surtout quand on passe la trentaine, qu'on commence à devenir adulte. Et donc là, il est en train de s'exprimer sur une période qui est la vingtaine. Moi, j'ai pu le faire dans mes courts-métrages, pas dans mes longs-métrages. Alors, tu viens d'où? En fait, je suis né à Toronto. OK. Ouais.
de parents français. D'accord. Qui sont venus dans les années 60, 70 faire vivre, s'établir longtemps, pour plusieurs années à Toronto. Donc moi j'ai commencé ma vie à Toronto. T'as pris l'accent parce que t'étais pas... Ben, en fait je parlais essentiellement anglais quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis après mes parents sont retournés vivre en France, donc moi je suis arrivé en France, oui, parce que j'avais 5 ans. Et puis alors là, il a fallu que je me mette au français. Donc j'ai quasiment perdu l'anglais en fait, c'est assez incroyable. Et puis après, mais toute ma vie, je sentais que ma vie, c'était ici en fait. Ah ouais, ouais. À Montréal. Ouais, j'avais Montréal, envie de revenir vraiment. Je suis revenu dans la trentaine, avec femme et enfant. Et je me sens vraiment chez moi ici. Non, j'ai fait trois longs métrages quand j'étais en France, j'ai fait des courts métrages, j'ai fait 4 courts métrages. Okay. Des courts métrages qui étaient déjà très aboutis puisque je les avais tournés en super 16 mm et en 35 mm. Puis c'est des courts métrages qui avaient vraiment fonctionné. Il y en avait un notamment, le premier qui était passé sur toutes les chaînes de télévision, Canal+, etc. Puis j'en avais un qui avait été au Festival de Clermont-Ferrand. Enfin bref, j'avais une carrière de court métrage, comme on dit, qui était très réussie. Mais j'avais quand même des difficultés à passer au long métrage en France. C'était assez pénible en fait. Monter un projet de long métrage en France, c'est vraiment très dur. Hein. Partout, mais particulièrement en France, parce que je me rends compte ici qu'il y a quelque chose qui est un peu plus loyal. C'est-à-dire, si vraiment on fait quelque chose qui a de la valeur, et qu'on a du courage, on peut y arriver. Alors qu'en France, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est-à-dire on peut avoir toutes les qualités du monde, de la détermination et ne jamais y arriver. C'est quelque chose d'incroyable. Ici, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Ici, c'est difficile. En France, c'est impossible. Presque impossible, puisque certains y arrivent, mais avec des contacts. Là-dessus, deux questions, je demande à quatre poser en premier. T'as sûrement déjà entendu cette idée que chaque réalisateur fait seulement un film dans sa vie, tu sais. Oui. De différentes façons, évidemment. Je suis un peu d'accord. Ouais, c'est ça, tu peux voir ça, t'as constaté ça dans ton propre travail? Oui, parce que en tout cas, je pense qu'on a un certain nombre. On a un certain nombre de films qui est limité, qui nous permet de s'exprimer vraiment sur des choses qu'on a à dire. Parce qu'en fait. Qu'est-ce qu'un film personnel ? C'est tout ce qu'on a accumulé jusqu'au moment où on fait le film et toutes les choses qu'on projette sur notre existence. Donc ces choses-là, il n'y en a pas tellement. Hein. Alors il faut les exprimer. Moi, j'ai l'impression, vu que je pratique un cinéma d'auteur et pas un cinéma de commande, parce que c'est sûr que si c'est un cinéma de commande, c'est pas la même chose. On vient vers vous. Même si on peut infuser. Oui. Je comprends quand même pas ce que tu dis. Mais un cinéma de commande, ça reste un cinéma où on se met au service d'une production, avec un scénario qu'on n'a pas forcément écrit. Et puis on essaye de faire le mieux possible. On apporte nos qualités de technicien, toutes les qualités qu'on peut c'est avoir. Comment le cinéma d'auteur est influencé par le cinéma de commande aussi. Oui, c'est bien tout sûr. Le langage se mélange. Ben oui. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve qu'en fait, il faudrait arriver à cette chose, c'est que quand on fait un film d'auteur, il faudrait y mettre du cinéma de commande un peu dedans. Uh-huh. Et quand on fait un cinéma de commande, il faut y mettre un petit peu d'auteur. Parce qu'en fait, si on ne fait qu'un cinéma de commande, un cinéma commercial, comme on dit, on se retrouve avec des navets quand même, il faut quand même le dire. Et si on fait un cinéma qui est trop, trop, trop personnel, sans tenir compte du tout de considérations commerciales, alors là, c'est grave parce qu'on peut se retrouver avec un cinéma expérimental qui n'est pas regardable. Quoi. Ouais. C'est un point. Non, mais quand on est jeune, on a besoin d'expérimenter des choses. Mais je me rends compte qu'assez rapidement, il faut essayer de raconter ce qui est sincère pour nous. Et pas de chercher à faire des effets, des belles images. Ça ne tient pas, ça. C'est, sur la durée, ça ne sert à rien. Alors, ça m'amène à me poser la deuxième question pour avoir retourné à la première. C'est quoi le film que tu présentes au FNC? Alors là, le film que je présente au FNC, ça s'appelle Le Militaire. Ça raconte l'histoire d'un ancien militaire qui est dans fin quarantaine, qui a connu la guerre physiquement, qui a connu les douleurs de la guerre et qui vit dans la solitude d'une maison à Montréal. On suppose que ça devait être la guerre en Afghanistan compte tenu de son âge. Et qui est aux prises avec sa solitude et avec son passé. Et comme c'était un militaire, c'est quelqu'un qui a
qui a une rigueur et confronté à sa solitude, il y a une certaine perversité qui se met à naître en lui, et sa perversité, notamment dans sa relation avec les femmes, ça crée comme une espèce de conflit entre sa rigueur militaire et finalement ses instincts primaires, quoi, enfin, d'homme qui a besoin d'être aimé par une femme et puis d'avoir des rapports sexuels. Donc ça crée un personnage assez compliqué, quoi. Assez complexe. Et puis le festival du Eurocinéma, c'est le bon festival pour ton film, pourquoi? Ah, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que le FNC a vraiment une programmation de films d'auteur. Et quand je dis films d'auteur, c'est vraiment dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire, c'est compliqué quand on parle de cette notion parce qu'on ne sait jamais exactement de quoi on parle. On devrait peut-être plus parler de cinéma personnel, en fait, qui raconte des choses personnelles. Et moi, je suis très à l'aise avec le FNC. D'ailleurs, le FNC a présenté tous mes films jusqu'à présent. Donc, je les remercie. C'est super. C'est bien, ça, ces relations-là. Ça crée un récit en soi. Tu sais, ça ramène à cette première question qui est, c'est quoi le lien entre les films? Qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leur thème? Mais c'est vrai qu'on construit petit à petit quelque chose. Et justement, pour revenir à ce que tu disais, il faut avoir conscience qu'on a une toute petite quantité de choses à dire quand on est un auteur. Et il faut essayer le plus possible de les dire et le mieux possible et de ne pas se répéter. Ne pas se répéter. Il faut beaucoup de lucidité par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a quand même, s'il y a une qualité aujourd'hui dans la difficulté à monter un projet de film, c'est qu'il y a tellement de temps entre les films que nous, on a le temps de vivre des expériences qui nous enrichissent. C'est vrai que dans les années 70, il y a des réalisateurs qui faisaient des films tous les ans. Et qui finalement, on est content de faire un film par an, mais sur le plan de la créativité, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Tu peux en parler avec Xavier. Oui. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que si on tourne trop, on n'a plus le temps de réfléchir, en fait. Moi, je vois quand je finis un film, il y a souvent une année où je n'ai pas grand-chose à dire. Je le sens à l'intérieur de moi, je suis vidé de quelque chose. Et progressivement, je me remplis. Et au bout de 2 ans, je suis mûr, j'écris. Là, je suis vraiment dedans, je suis complètement inspiré, je sais exactement où je veux en venir. C'est très agréable comme sensation. Alors, c'est quoi ce thème commun qu'on trouve dans tous tes films? Tu serais capable de le dire? Bah, écoute, moi, ce qui est très important pour moi, c'est de montrer des personnages qui sont aux prises avec le passé. Tous mes personnages sont toujours aux prises avec le passé, avec une douleur qui se situe loin derrière eux dans le passé et qui finalement constitue un handicap pour le temps présent. Et leur lutte se situe à ce niveau-là, en fait. Ça crée du conflit intérieur, ça crée du conflit avec les autres, mais j'ai toujours l'espoir que de cette prise de conscience et de ce conflit, mes personnages, j'essaye de les faire progresser. C'est-à-dire, j'essaye de les emmener quelque part où ils peuvent atteindre à une forme de soulagement de leur douleur. Pas complète, parce que je pense qu'on se soulage jamais d'une douleur. Je pense que c'est naïf de penser ça. Et les films qui essayent de nous montrer qu'à la fin, on a trouvé toute la solution, moi, j'y crois pas. Mais je pense qu'il faut trouver une solution partielle, quand même. Il faut proposer quelque chose qui ait une forme de progrès. Donc, tous mes personnages sont assez solitaires et assez confrontés à leur passé et ont une lutte intérieure à mener, surtout une lutte intérieure qui est très forte. Surtout, le dernier film que je suis en train d'écrire, là, qui s'appelle Emma sous influence, sur une jeune adolescente, elle a perdu son père et elle se bat par rapport à ça. Elle a la souffrance d'avoir perdu son père et ça en fait une personne écorchée, rebelle. Mais le côté rebelle grandit en elle progressivement. Au début, elle est très, très renfermée sur elle-même et progressivement, elle se découvre. En fait, à travers son problème, elle arrive à se révéler à elle-même. C'est bon, je peux comprendre
catharsis. La catharsis, oui. Ouais, que tu peux vivre en écrivant des histoires comme ça, tu sais. Écoute, moi, je vais te dire, tu sais quand est-ce que je sais que je suis en train d'écrire une bonne histoire? Je vais te le dire. Il y a deux catégories d'histoires. J'ai écrit beaucoup plus de scénarios que ce que j'en ai réalisé. Et en fait, tu as des scénarios où c'est toujours toi, le scénariste, qui est plus fort que ton histoire. C'est-à-dire, tu racontes une histoire. Mmh. Ça, je sais que je ne suis pas en train de faire du bon travail. Et puis, il y a les scénarios où il y a une mise en place de mes personnages et progressivement, mes personnages deviennent plus forts que moi. Et moi, je suis à leur service. C'est-à-dire, progressivement, je cesse d'être un scénariste. Je suis juste un accoucheur. C'est-à-dire, j'accouche les dialogues, j'accouche la personnalité. Mes personnages sont plus forts que moi. C'est moi qui écris pour eux. Et là, je sens que je suis dans quelque chose de sincère parce que je leur ai donné une véritable identité. Si mes personnages n'ont pas d'identité, c'est que je suis juste en train de faire un scénario techniquement, quoi. Et ça, je déteste quand j'en suis là, j'arrête dans ces cas-là. Parfois, il m'arrive d'aller jusqu'à 60 ou 80 pages avec ça et puis je me dis, oh là, oh, je ne peux pas faire un bon film, j'arrête. Ah ben, c'est fascinant ça. C'est très bon. Ça me fait vraiment réfléchir. On devrait se laisser là-dessus, en fait. D'accord. Puis, on se reverra, je pense, dans les années à suivre. Ouais. Puis ça va me faire plaisir d'explorer avec toi, justement, qu'est-ce que toi, comme passé, tu essaies un peu de come to terms with, ouais. Tu sais, c'est, je pense, plus personnel, puis ça va mieux savourer avec les années. D'accord, donc, ouais, exactement. Ouais.